Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous laisse un espace pour briller. Comme tous les lundis, c'est le jour de la vidéo de la météo énergétique de la semaine pour voir un petit peu, anticiper un petit peu à quelle sauce énergétique nous allons être mangés, ce qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance et pouvoir appréhender les choses et pouvoir en tirer le meilleur parti possible. C'est un tirage général, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste et puis utilisez toujours votre intuition, votre discernement et votre bon sens pour appliquer les conseils à votre situation personnelle. Si vous désirez des éclaircissements plus personnels, évidemment, je suis à disposition. Toutes les informations sont dans la description déroulante en dessous, il suffit de cliquer. Et puis, je poste au moins deux fois par semaine, le lundi pour la météo énergétique et le jeudi sur un autre thème. En général, il y a beaucoup sur les connexions d'âme, la vie amoureuse, sur les missions de vie, des énergies de guérison aussi. Beaucoup de thèmes à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre de votre entourage. Voilà, alors on va commencer et puis on va voir déjà les thèmes nous attendre cette semaine au niveau énergétique. Alors, on verra ce que le guide nous amène aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, on a l'abeille. Alors, c'est la saison. Il faut les préserver, hein, inutile de le préciser encore une fois. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'abeille nous dit « Le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. » Ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il est temps un petit peu de récolter tout le travail qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le début du printemps. Okay. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est temps pour vous de vous laisser aider. Les abeilles sont très très efficace, ce sont des créatures très très perfectionnées qui ont un mode de communication incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à faire des recherches là-dessus parce que c'est comme les fourmis, c'est assez incroyable la manière qu'elles ont de vivre en société. Et en fait, elles s'entraident, leur rôle est bien défini, elles s'entraident. Il n'y a pas de perte d'énergie. C'est aussi parce qu'elles savent, elles connaissent très bien leurs limites et elles savent déléguer et se faire aider quand cela est nécessaire. Et c'est ça qu'on nous amène aujourd'hui au niveau personnel. J'entends vraiment, faites cela au niveau personnel, laissez-vous aider, partagez les responsabilités. On me dit vraiment, il y a double tranchant quand on ne veut pas déléguer. C'est-à-dire qu'on se dit, on fait tout soi-même, donc il y a besoin de contrôle et de maîtrise. Donc si vous avez de la peine à déléguer, examinez ça. Et puis, en même temps, bah, parfois, après, on se sent seul et on est frustré parce que finalement, on se dit, mais finalement, il n'y a que moi qui fais les choses. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du contrôle à relâcher cette semaine, chacun et chacune à d'autres niveaux, évidemment, pour évacuer aussi cette frustration de ne pas être aidé. Parce que souvent, accepter d'être aidé, c'est accepter de ne pas contrôler, c'est accepter que les choses sont peut-être faites d'une autre manière que la nôtre. Qui est tout aussi efficace peut-être, mais qui est différente. Okay. Et on me dit aussi, et ça c'est un message plus global pour nous en tant que peuple, en tant qu'humanité, on me dit aussi que c'est ça qui est en train de se passer. On sait qu'on est dans une période très très clivante en ce moment, où il y a énormément de possibilités de division, que ce soit au niveau de la pandémie qu'on est en train de vivre, les différentes prises de position, les différents avis sur les réactions à celle-ci. Voilà, il y a le grand débat des masques. Et vraiment, c'est très facile d'être frustré avec l'opinion des autres, avec la manière d'appréhender de l'autre, de gérer finalement quelque chose qui est un stress émotionnel, parce que c'est une situation complètement inconnue. Et il y a une frustration en fait, de voir que la personne gère une situation d'une autre manière que la nôtre. Et là, j'entends vraiment au niveau, pour nous, en tant qu'humains, c'est un appel à la tolérance et à la coopération, malgré tout. De se dire, je peux coopérer, je peux cohabiter avec une personne qui n'a pas les mêmes vues que les miennes, pour autant, évidemment, que ce soit dans le respect mutuel, et puis qu'il n'y ait pas de violence, évidemment, si vous êtes dans des
dans des situations abusives, et je ne le répéterai jamais assez, mais allez chercher de l'aide et partez. Mais en tant qu'espèce humaine, on est vraiment dans cette période où on a le choix de faire que nos différences soit nous divisent complètement, soit nous rassemblent. Soit on se dit, je vais peut-être aussi examiner pour m'instruire, juste pour essayer de voir comment cette personne peut ressentir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner ou changer d'avis, mais pour m'instruire sur le point de vue de l'autre. Okay. Déjà un grand thème qui vient, on me dit aussi que c'est important de rester centré, de se dire que finalement, ben voilà, même si les abeilles ont des rôles différents dans leur communauté, elles ne sont pas moins de toutes de la même espèce, comme nous en tant qu'humains. Même si on a des rôles différents, des points de vue différents, des positionnements différents, c'est important de se rappeler qu'on est tous les mêmes et qu'on œuvre pour une grande ruche qu'est l'univers, le divin, la source, Dieu, peu importe comment vous appelez ça. C'est aussi un grand thème, en fait, la manière, je ne vais pas entrer dans un débat spirituel et religieux maintenant, mais voilà, c'est d'essayer de comprendre et de faire un pas vers la connaissance, juste une connaissance de l'autre, la connaissance du fonctionnement de l'autre. Grand thème sociologique cette semaine. Oui, il y a vraiment une notion de peuple humain cette semaine, de transmission, puisque sous le paquet, on a l'éléphant. J'aime beaucoup les éléphants, c'est aussi des animaux. Et voilà, vous voyez, on voit des animaux qui nous sont présentés ici, qui vivent en communauté. Les éléphants, ils ont une société plutôt matriarcale aussi, mais ils vivent vraiment en peuple, en société. Ils ont des rites particuliers, ils pleurent leur mort. C'est des civilisations, plutôt des peuples et des espèces très complexes qui fonctionnent malgré un environnement hostile, malgré des points de vue peut-être différents, des rôles différents. Et peut-être qu'on devrait aussi apprendre de la manière de fonctionner de ces espèces-là, pour nous fonctionner de cette manière tolérante, harmonieuse en tant qu'humain, en tant que race humaine. Et l'éléphant nous dit, vous acquerrez l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a une notion de transmission des connaissances, il y a une notion de. Oui, comment est-ce que la manière dont on réagit maintenant face à la situation globale que nous vivons, mondiale, va être imprimée de manière inconsciente dans la génération future, dans les générations futures. Et c'est pour ça, et j'entends très clairement, il est important de faire nos choix en conscience. Et ce n'est pas parce que nous, on fait un choix en conscience et que quelqu'un d'autre a fait un autre choix que cette personne n'est pas en conscience non plus. Quand on se sait finalement tous dans une certaine ignorance à un niveau macro, à un niveau universel, eh bien chaque connaissance, chaque choix en conscience doit peut-être respecté, même si ce ne sont pas les mêmes. Oh, grand thème qu'on nous amène déjà. Oui, c'est déjà un grand, grand discours. On pourrait parler de ce point de vue-là pendant 2 heures. Alors, un autre thème, rapidement. On me dit vraiment que c'est important qu'on commence d'agir et de réfléchir plus en tant qu'individu, en tout cas cette semaine, de se poser la question de notre place d'individu dans un environnement qui est plus grand que nous, qui est au niveau d'une famille, d'une société, d'un pays, d'une planète et du cosmos, de l'univers. Comment est-ce qu'on se place? Quel rôle on a dans cette grande ruche universelle? Okay. Et évidemment, pour confirmer et conforter ce message, il y a la relation. Je vais vous lire le thème. La relation entre Dieu, et là vous changez le mot, ça peut être source, le divin, peu importe. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et encore une fois, on me parle du niveau
dans le microcosme et dans le macrocosme. Et vraiment, je parlais tout à l'heure de ce positionnement qu'on a. Peut-être c'est une semaine de se positionner justement dans cette grande ruche, de nous poser notre, dans notre positionnement, de nous poser la question, pardon, de notre positionnement spirituel. Où est-ce que vous en êtes? Quel est pour l'instant votre choix en conscience à ce niveau-là? Et après, vous laissez la liberté que ça évolue, que ça change. Tout peut changer puisque finalement, si on est conscient qu'on est dans une certaine ignorance, que notre cerveau humain, tout aussi performant soit-il, soit finalement, face à l'intelligence du monde spirituel, est très très limité. Okay. Et le dernier thème, on nous dit, et ça je crois que c'est revenu plusieurs fois, le thème de l'autorité intérieure. Et là, on passe à un niveau plus personnel, plus justement intérieur, c'est de se dire, une fois qu'on a son positionnement, et encore une fois, il y a plusieurs couches à ce message au niveau macro, une fois qu'on est sûr, enfin, et qu'on a pris parti, ou qu'on a pris un positionnement, de se dire de ne pas se laisser influencer. Ça vraiment. C'est aussi une manière d'être dans sa puissance et dans son pouvoir spirituel. Et aussi de ne pas, quand on prend des décisions, par exemple si on est dans un niveau plus personnel d'une relation, de terminer une relation, d'en entamer une nouvelle, d'avoir cette conviction en soi. Et j'entends vraiment clairement d'avoir foi en soi-même, de vous faire confiance que votre choix en conscience est le bon. Même si vous êtes seul face à une horde de gens qui vous disent, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous, votre cœur, votre âme est aligné, c'est votre choix en conscience. Gardez votre autorité intérieure. Donc vraiment un grand questionnement au niveau du positionnement cette semaine dans notre société et dans des niveaux beaucoup plus larges. On va juste voir maintenant comment ces thèmes-là vont nous impacter à un niveau plus dans notre espace mental, au niveau de nos pensées. Comment est-ce que ce thème-là, j'imagine que ça va nous faire réfléchir pas mal, que ça va cogiter chez beaucoup d'entre nous. Alors, comment est-ce que c'est... Merci. Ok. On me parle au niveau mental. Évidemment, on a la grande prêtresse ici et ça parle de connaissances ancestrales. Et non seulement au niveau, et le message revient au niveau ancestral, au niveau de votre famille, mais aussi au niveau de votre peuple, de la race humaine et d'être spirituel. C'est de vous connecter à toute cette sagesse que vous avez pu accumuler au fil des vies, au fil des siècles, des incarnations dans différents endroits. Et vraiment, au niveau mental, il y a c'est comme si on reçoit un petit sucre ou un petit coup de pouce, un petit coup de coude qui nous dit, mais qui nous donne envie, qui pourrait nous donner envie d'aller explorer au-delà de nos connaissances conscientes. Pour moi, ça représente aussi une connaissance consciente, inconsciente, pardon. Et puis, ça représente aussi l'énergie du féminin. L'énergie, je disais, de la réceptivité, de la coopération, du non-contrôle, on en parlait tout à l'heure. Donc, dans l'espace mental, ce que moi j'entends, ben ça c'est la carte de la coopération, où on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour coopérer tous ensemble en tant qu'être humain, une société qui est tellement divisée, il va bien falloir qu'on arrive à fonctionner à un moment donné ou à un autre. Et c'est de se poser la question, mais comment à mon niveau, moi, je peux faire fonctionner, je ne sais pas, dans ma famille, au niveau de mon quartier, avec mes voisins, comment je peux coopérer avec des gens dont je sais que, ben voilà, ils ont un bon fond, on s'entend bien, mais ils n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. Peut-être qu'ils voient les choses de manière diamétralement opposée, mais ce n'est pas pour ça que je ne peux pas être solidaire. La solidarité, c'est ça. J'entends aussi... C'est clair que c'est plus facile d'aimer inconditionnellement quand tout le monde est de son avis. Et le vrai test, la vraie école humaine, c'est de pouvoir aimer son prochain ou son semblable, même quand il fait quelque chose qu'on n'approuve pas. C'est être dans l'acceptation sans être dans l'approbation. Et d'être dans le respect, évidemment. Et c'est ça. Il y a beaucoup
de choses et d'idées qui peuvent nous amener. Comment est-ce que je peux coopérer? Comment est-ce que je peux, moi, à mon petit niveau, coopérer à la grande ruche? Comment je peux participer à ça? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment? C'est le page de Pentacle. Ça reparle après un. Moi, je l'imagine toujours, il est revenu d'un grand voyage introspectif, comme ça, il a beaucoup de nouveaux outils et il se demande comment les appliquer dans la matière. Comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Comment est-ce que je peux réagir différemment quand quelqu'un me contredit ou me dit quelque chose qui me frustre, où je suis outrée par ce genre de comportement ou de parole? Comment est-ce que je peux faire réagir moi différemment? Pour aussi garder ma paix intérieure et qu'il y ait une forme d'autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est aussi de dire, OK, non, je vais choisir consciemment de cultiver ma paix intérieure. Et on a ici la lune qui nous parle, bah c'est aussi une énergie très féminine, qui nous parle justement de choses qui peuvent être déformées. On dit la nuit, tous les chats sont gris, c'est ça. C'est la lune, parfois, elle a beaucoup d'interprétations, mais là, vraiment, ce que je sens, c'est de ne pas vous laisser non plus perturber par les apparences et par certains comportements. Souvent, un comportement abusif, ou ça ne veut pas dire qu'il faut rester, on peut aimer les gens à distance, inconditionnellement, mais souvent, ça révèle beaucoup, beaucoup d'insécurité. Et d'avoir une certaine compassion, plutôt que d'être outré, de nourrir ce conflit, de nourrir une certaine animosité, de dire moi je vais réagir différemment, je vais m'éloigner parce que ça menace ma paix intérieure, mais je vais par là même contribuer à la paix de la grande ruche. En fait, j'aide par cette prise de distance, par cette autorité intérieure, j'aide au grand travail collectif. Ok, très bien. Et puis, on va voir au niveau émotionnel comment cette semaine et ces énergies, qui sont très très philosophiques, j'avoue, très, comment est-ce que ça peut nous impacter au niveau émotionnel. Il y a vraiment cette énergie de coopération qui revient sans cesse. Ok, c'est bien, il y a les cartes, trois cartes qui viennent en même temps. Voilà. Ah, d'accord. En premier, on a la carte du jugement. Et le jugement, c'est une intervention divine dans le tarot, moi je le vois comme ça. C'est un appel de Dieu, l'appel du jugement dernier, l'appel. Alors, c'est pas aussi dramatique que ça dans le cas qui nous intéresse dans cette semaine, mais il y a vraiment un appel du divin, et c'est le message de départ, c'est vraiment commencer de faire les choses différemment, commencer de penser au-delà de vous-même, plus grand que vous. Commencez de réfléchir en termes de fréquence. Et là, vraiment, je répète ce qu'on me dit. Commencez de penser en termes de fréquence, d'énergie, de loi de l'attraction. Comment est-ce que je peux faire pour m'aligner avec cette grande ruche universelle? C'est Nikola Tesla qui disait, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de fréquence. Et vraiment. C'est ça, il y a vraiment un appel du divin qui nous dit, écoutez les enfants, là il serait temps de vous réveiller à votre petit niveau, ne soyez pas défaitistes, j'entends ça, soyez positifs, à votre niveau vous pouvez déjà changer beaucoup de choses. Et préserver votre paix intérieure, c'est être dans une mission de vie déjà aussi. Il n'y a pas besoin de faire des choses grandiloquentes et grandioses. Éloignez-vous. Des conflits qui menacent votre paix intérieure cette semaine, qui menacent votre santé émotionnelle. Des choses toutes bêtes à faire, arrêtez de lire les commentaires sur Facebook ou de vous impliquer dans des débats qui finalement dont le résultat ne peut être que stérile, parce que en disant bon, bah, cette personne, elle a un avis qui me paraît complètement tirée par les cheveux, mais elle a sûrement une réflexion. Enfin, elle est tout aussi intelligente que moi, j'imagine. Cette personne a tout aussi envie de bien faire et d'aider les gens que moi. Partez de ce principe-là. Et une fois que, bah, éloignez-vous en vous disant, bah, ok, elle a son chemin, j'ai le mien. Elle a son rôle dans la ruche, j'ai le mien.
Et c'est ça l'acceptation et l'amour inconditionnel de l'autre. Et c'est savoir s'éloigner, parce que l'amour inconditionnel, c'est pas la même chose que la présence. L'amour inconditionnel, il est là, voilà. La présence, la distance à laquelle on aime, ça a des conditions. Et ne menacez pas, préservez votre paix intérieure. Voilà, ne la mettez pas en péril pour des considérations. On me dit pour des vagues considérations de point de vue. Évidemment, nous, notre niveau humain, c'est des débats très clivants, c'est très émotionnel. Mais à l'échelle de l'univers, ça ne lui change pas sa course et puis ça ne change pas le plan et ça ne change pas l'amour. Nous, on peut juste et on peut aider et à faire que les choses se passent de manière plus fluide. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Il y a ce besoin et cet appel aussi émotionnellement, cette envie de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est ce saut dans la foi. À la fois au niveau personnel, émotionnellement, mais aussi retrouver la foi en nos confrères humains. J'ai vraiment entendu clairement retrouver la foi en vos semblables. En le fait qu'en tant qu'être humain, on fait de grandes choses, on a la capacité de réaliser de grandes choses, d'accomplir des choses incroyables. Et de retrouver cette foi et de se concentrer sur tout ce que les humains font concrètement de bien, plutôt que d'attiser le débat, l'agressivité, les confrontations, se concentrer sur cette foi en l'être humain et cette foi que ensemble, on peut accomplir des choses magnifiques qui aident tout l'univers, qui nous aident en tant que peuple et en tant que maillon dans l'univers. Oui, il y a vraiment quelque chose de grand. Le jugement, c'est vraiment ça. C'est un appel du divin. Et est-ce qu'on va, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on va choisir cette semaine de faire un petit peu les choses différemment que ce qu'on a fait depuis les 6-7 derniers mois, en se disant, ok, est-ce que je peux changer mon mode de consommation ou peu importe mon mode de communication, de consommation aussi au niveau des médias, au niveau. Voilà, c'est à vous après de l'appliquer, mais de faire les choses différemment pour pouvoir, à sa manière, partager notre richesse. C'est seulement quand on a la paix intérieure qu'on peut partager notre richesse après intérieure et notre lumière. Ok, on va passer aux guidances. Ça, je prends la fin, d'accord. Ok, alors, les guidances. Les guidances pour cette semaine. Quand vous voulez. Ok, ils veulent la carte parfaite. Alors j'attends. Et ça, voilà. Et c'est ce qui se passe. Les émotions sont très très hautes. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un climat très très émotionnel. C'est pour ça qu'on doit prendre soin, cultiver vraiment notre paix intérieure en faisant des choix conscients de s'éloigner de certaines choses anxiogènes. Parce que nos émotions, et quand les émotions, elles sont superbes et c'est vraiment des moteurs quand elles nous font avancer. Mais quand elles prennent le dessus, c'est les peurs qui prennent le dessus. Et là, on fait plus du bon travail. Et le bas du paquet, ouais. Travaillez à travers vos peurs. Passez à travers vos peurs. Et vraiment, affrontez-les. Il y a quelque chose qu'on dit, la seule manière de passer à travers, c'est de passer à travers. Et de pas se voiler la face et d'être, dire, ok, j'ai peur qu'on me juge si je partage mon point de vue. J'ai peur que. Ou si j'essaye juste d'être un humain meilleur et d'être plus tolérante, est-ce qu'on va me juger? Il y a énormément de peurs aussi primales, la peur de la mort, la peur de la maladie qui ressortent dans ce moment. Et qui, est-ce,
Et la question, c'est toujours ça. Comment est-ce que cette fois, je peux réagir différemment? Comment est-ce que cette réaction a été induite par une peur ancestrale de cette vie, d'une autre, de mon clan, de mes parents? Faites vraiment face à ça pour pouvoir réagir différemment. On nous demande, et c'est comme, je sens vraiment comme si on nous prépare à quelque chose où on va pouvoir après utiliser tout ce qu'on a appris. Ok. Et je vais prendre encore une autre guidance, justement. Comment est-ce qu'on peut peut-être faire pour aider concrètement notre prochain? Il y a eu des élans de solidarité incroyables pendant le confinement et le semi-confinement ici en Suisse. On me dit, voilà, c'était des belles énergies qu'il faut continuer de cultiver. C'est tellement facile maintenant de se remettre dans un mode de vie individualiste. Okay. On me dit qu'une guidance aussi, c'est de, si vous avez l'intuition ou si on vous demande des conseils, suivez votre intuition. Vous avez, je sens que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ont cette capacité tout à coup à avoir une inspiration pour quelqu'un d'autre. Et en fait, ok, on me dit aussi que cette semaine, essayez d'être gentil avec vos mots. De justement réagir différemment. Peut-être que si quelqu'un au supermarché vous frustre parce qu'il vous passe devant, parce qu'il n'a pas de masque, parce que, je ne sais pas, au lieu de vous être dans votre frustration, soit de rien dire ou de réagir de manière peut-être agressive, stop, on respire, un petit pas de recul. Qu'est-ce que je peux dire de gentil? Ou qu'est-ce que je peux penser de gentil, si vous ne pouvez pas le dire? Parfois, j'essaie de faire ça, de me dire, ok, je vais essayer, je le fais souvent dans ma tête, mais de dire, ok, je vais trouver, chez chaque personne que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais trouver quelque chose que j'aime bien. Que ce soit physiquement, dans son habillement, dans une particularité de ce que cette personne a dit. Et c'est vraiment un bel exercice, en fait, aussi de gratitude, pour voir aussi à quel point notre semblable a de la valeur. Et puis évidemment, le challenge, c'est de faire ça pour les personnes qui nous frustrent un petit peu. Prenez vraiment, on me dit vraiment, prenez cette semaine comme une semaine d'école, une semaine d'expérimentation, une semaine un peu hors cadre à l'école, où vous expérimentez des trucs pour faire différemment. Vous ne devez pas faire juste, faites différent, faites différemment. On me dit aussi qu'il y a les cartes oracles. Alors, les guidances sont multiples ici. Peut-être que vous avez, bon, si vous êtes si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par les messages que les cartes ont. Peut-être intéressez-vous vous-même à peut-être investir dans un jeu. Moi, je suis partisane du fait de me dire que pour moi, les cartes, ce sont un outil. Ce sont des représentations visuelles des messages de mes guides. Et pour moi, ce que ça m'amène ici, c'est de vous connecter à votre sagesse intérieure et donc à votre équipe spirituelle, à vos guidances, à la guidance, parce qu'il n'y a aucune guidance qui est meilleure, aucun médium, personne ne peut être meilleur que que la guidance de vos guides personnels et votre guidance qui est votre guidance intérieure, de votre équipe spirituelle, de vos guides, de vos anges gardiens, peu importe comment vous les appelez, qui vous accompagnent depuis votre naissance. Personne ne peut vous guider mieux que cela. Et puis, essayez de nouveau, expérimentez, faites les choses différemment, essayez de demander des signes, je sais pas, on me dit parler aux arbres, enfin vraiment, sans jugement aucun. Et regardez, peut-être qu'il y aura une nouvelle connexion. J'ai beaucoup entendu, ah, j'aimerais bien me connecter à tes guides comme toi, Véronica, mais j'y arrive pas. C'est peut-être tout simplement parce que c'est pas votre manière de faire. Peut-être que pour vous, c'est la manière de méditer, de vous connecter à votre guidance, à vos guides, c'est d'aller courir, c'est de peindre, c'est de vous balader dans la forêt, de parler aux arbres, c'est peu importe, peu importe. Faites quelque chose qui vous correspond. Vous êtes unique, donc forcément, la manière de vous connecter à vos guides est unique. Et expérimentez cette semaine, expérimentez, c'est le mot. Voilà, c'est tout pour les messages de la semaine. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, partager et liker si ça vous a plu.
Et je vous souhaite en tout cas plein de belles découvertes pendant cette semaine. Et puis je vous fais des gros 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 bisous et à très très bientôt. Au revoir.